Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Eli elako, yeah, Eli elako, uno na pamu wale, wa, namo sunyo, odiamu lato, uno na pamu yo, odiamu lato, yeah, odiamu lato, uno na pamu wale. Yeah.
Chose, la restauration, la délivrance, Seigneur, nous voulons que tu nous guéris ce soir. Sans toi, nous ne sommes rien, nous venons nous confier en toi, et nous savons que toi seul, Jésus-Christ, peut nous délivrer, parce que tu es Dieu, et tout-puissant tu es. Merci, tu dis là où deux ou trois sont ensemble, mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Nous savons que nous sommes ensemble ce soir, en ton nom, et merci de te manifester au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, Dieu te bénit. Dieu te bénit.
Dis à quelqu'un, Dieu te bénit. Dis à quelqu'un, Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Qui croit la présence de notre Dieu? Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dis à quelqu'un, Dieu te bénit. Dieu te bénisse. Qui croit qu'il est dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Amen. Dis à quelqu'un, aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Dis à quelqu'un, aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Alléluia. Qui croit ça? Amen. Il y a quelqu'un qui sera délivré aujourd'hui. Tu seras délivré aujourd'hui. Tu seras délivré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sera délivré aujourd'hui. Tu seras délivré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous croyez à la puissance de Dieu. Amen. Que la paix de Dieu. La parole de Jésus à la croix, il dit tout est accompli. Amen. Hein? Amen. Amen. Quelqu'un, Jésus-Christ est en train d'agoniser, n'est-ce pas? Il est en train de rendre l'âme. Et la dernière phrase dit tout est accompli. Ça doit interpeller chacun d'entre nous. Ça veut dire que Jésus-Christ était à la croix pour une mission. Amen. Il était là juste pour une mission. Et regardez comment Jésus-Christ a subi les traitements de Jésus. D'abord, dans le jardin de Gethsémani, on fait une arrestation de Jésus-Christ. On le conduit, n'est-ce pas, devant Ponce Pilate. Il s'exprime. Et puis on lui dit non, le gouverneur trouve que le monsieur, il n'a rien fait. Amen. Il trouve qu'il n'a rien fait. Et les gens le rappellent pour dire, mais attends, à chaque fin d'année, tu vois, ça fait Pâques, on libère quelqu'un. Et or, il y avait un prisonnier, il y avait quelqu'un qui était malfaiteur. Tu connais son nom? Le lecteur de la Bible. C'est qui? Hein? Hein? Barnabas, ok. Et les gens disent, mais il faut que Barnabas soit libéré, que Jésus soit tué. Amen. Vous voyez donc, l'innocent qu'il était, n'est-ce pas? Il va prendre la place d'un criminel. Tout ça, c'est symbolique. Alléluia. Amen. C'est symbolique. C'est pour dire, en réalité, Jésus-Christ, il est venu pour une mission. N'est-ce pas? Il n'avait rien à voir avec le péché. D'ailleurs, il est né de Ève, son père, c'est Dieu. De Marie, son père, c'est Dieu. Mais du coup, sa mission, et on l'appelle Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde. Donc, la mission de Jésus-Christ, c'est de mourir et nous délivrer de toute situation. Amen. Amen. Voici pourquoi Jésus-Christ est parti à la croix. Sinon, Jésus-Christ, en réalité, il n'avait pas commis de péché. Il n'y a pas de péché en lui. Parce que même il dit, le diable vient, il n'a rien à moi. Alléluia. Amen. Donc, on trimballe Jésus-Christ au mont Golgotha. Et Jésus-Christ est dépouillé de son sang. Son sang vidé. Son corps. Depuis la, n'est-ce pas, la cour de Ponce Pilate, ils ont fouetté 40 coups de verge. Or, la verge, selon la traduction hébraïque, c'est un fouet où il y a des améçons, si je vais expliquer ça comme ça. Et quand tu fouettes, ça n'est forcément ta chair. Donc, depuis la maison de Ponce Pilate, le sang de Jésus déjà avait commencé. Jésus-Christ était vidé de son sang. Mais c'est symbolique. Le sang de Jésus-Christ
La Bible dit que c'est ça qui nous purifie de tout péché. Pourquoi? Parce que dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse, selon la tradition mosaïque, avant d'avoir accès au temple, qu'on appelle le tabernacle, il y a trois grandes parties. Il y a le lieu, il y a d'abord parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ah ok, parvis, il fallait faire un sacrifice pour le pardon des péchés et pour avoir accès, n'est-ce pas, au lieu saint. Et le lieu très saint, c'était réservé aux principaux sacrificateurs. Ce n'est pas tout le monde qui rentrait là-bas d'ailleurs. Amen. Or, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour s'acheter une bête. Donc Jésus-Christ, il prend, il s'identifie à nous et lui-même, il devient agneau de Dieu. Vous voyez, il devient agneau de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ décide, n'est-ce pas, de payer le prix de chacun d'entre nous. Vous comprenez? Il paie le prix de chacun d'entre nous. Allez, tes péchés, il part, il se porte garant. Il prend sur lui nos péchés. Mais il y a une histoire. C'est depuis le jardin d'Éden où l'être humain a décidé, n'est-ce pas, de ne pas écouter la voix de Dieu. Et l'être humain s'est vendu à Satan en obéissant à la voix du diable. Donc depuis lors, l'être humain est sous le contrôle du diable. Amen. Et il y a souvent des gens qui disent, mais attends, Dieu, pourquoi il laisse le diable nous malmener? Pourquoi il laisse le diable nous malmener? Pourquoi le diable, il agit comme ça? Pourquoi le diable, il agit? Dieu, il n'a pas pitié de nous. Le Seigneur, il laisse le diable nous malmener. Mais qui était le premier à abandonner le Seigneur? C'est l'être humain. Regardez un peu la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu avait l'habitude de venir tous les soirs échanger avec l'homme. Amen. Amen. Ok. Dieu venait tous les soirs. Il échangeait avec l'homme, il parlait avec l'homme. Et puis un soir, il vient, l'homme a fui. Il le cherche. Il dit, ben, j'ai fui. Il dit, mais Adam, tu es où? Où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que... Hein? Je suis nu. Qui t'a dit, tu es nu? D'accord. Pourquoi aujourd'hui tu constates que tu es nu? On voyait tout en étant ça. Il dit, la femme que tu as mise près de moi, elle m'a donné le fruit que j'ai mangé. À votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est une accusation. Il accusait Dieu. Le monsieur t'a rien dit. D'abord, ce qui est intéressant, c'est quand vous lisez un peu, Dieu dit, est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit? Oui, pardonne-moi. Mais du coup, il ne reconnaît pas l'erreur. Mais il accuse Dieu, directement Dieu vous dit, c'est parce que la femme que tu as mise près de moi m'a donné le fruit. C'est toi qui as fait, sinon toi et mon état camarade. Mais le jour où la femme est venue, c'est fini. Or, lorsque tu as vu la femme, tu as dit, elle est la chair de ma chair et les os de mes os. Donc il accuse Dieu. Dieu est étonné, très surpris de voir Adam s'exprimer comme ça. Ok. Il s'adresse à la femme. Il dit à Ève, voici ton mari t'accuse, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le serpent, c'est le serpent qui m'a trahi. Sinon moi-même, là, j'étais là. Donc personne d'entre eux n'a reconnu ses erreurs. C'est là qu'est venue la sentence. C'est-à-dire, n'amenez pas, ne prenez pas Dieu comme quelqu'un qui est mauvais. Nous, on est libres, nous sommes tous libres de reconnaître. Et comme de ne pas reconnaître, Dieu respecte notre volonté. Alors donc Dieu dit, ok, il y a la sentence. N'est-ce pas? Il y a la sentence. Donc il a commencé à prononcer la sentence. Sur l'homme, sur la femme et le diable. Donc c'est là partie toute cette malédiction. Et depuis lors, l'homme est sous le contrôle du diable. Donc pour racheter l'homme, il fallait donner un sacrifice important. Donc on dit Dieu a aimé le monde et cette fois-ci qu'il donne la donne son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qui est la vie et la vie éternelle. Amen. Donc c'est un paquet. Quand on dit la vie, il y a plein de choses. La vie et la vie éternelle. C'est un paquet. Dans la vie, il y a la guérison, il y a la délivrance,
y a la protection, il y a tout. Comme nous les Africains, on aime bien attendre protection. On parle en Afrique, tous les nuits. Il veut le manger. Mais il y a la protection. Il y a tout ça dans ce qu'on appelle la vie. Donc, il dit Dieu aimait le monde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ. Et Jésus paie le prix. Ça n'a pas été facile. Il y a eu un prix que Jésus-Christ a payé. Il a donné sa vie, il a souffert depuis l'arrestation, d'abord la trahison. La trahison fait mal pour tout. La chose qui fait mal, c'est la trahison. Hein? Amen. Ça veut dire que tu avais un ami qui te confie à cette personne et puis elle vient, elle te trahit. Ça fait mal pour tout. Amen. J'ai vu les gens dire, ah, non, ma femme m'a trahi, elle me tue. Elle me tue. Donc, du camp de Judas, qui vient, qui trahit Jésus. Et qui le vend. Donc, déjà, il a commencé à avoir problème. Il dit, c'est avec ce bisou-là que tu trahis, tu vends le Fils de l'homme. Et les gens l'ont abandonné. Il a connu ce qu'on appelle l'abandon. Les gens ont fui, les pierres qui parlaient, qui avaient pris les pieds, ont fui. Il est resté seul. Il a subi ça. Donc, moralement, il était déjà athée. Et physiquement, ils vont commencer à fouetter Jésus, le sang. Mais tout ça, c'est symbolique. N'est-ce pas? Il part au mont Golgotha. Arrivé au mont Golgotha, il subit encore une atrocité. Et dit, tout est accompli. Amen. Amen. Cette parole doit être édifiée. Parce que Jésus-Christ, ça veut dire, quand Jésus disait, tout est accompli, l'accomplissement de ta guérison, l'accomplissement de ton miracle. C'est pour dire, ton miracle ne dépend pas de grâce. Le départ de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Amen. Amen. Est-ce qu'on a saisi un peu? Amen. Ton miracle ne dépend pas des grâces que je suis. Ton miracle dépend de ce que Jésus a fait à la croix. Il a accompli ton miracle. C'est vrai que je suis serviteur de l'éternel, mais ton miracle ne dépend pas de moi, dépend de Jésus-Christ. Mais c'est déjà acquis. C'est-à-dire que Jésus t'a déjà délivré. Que tu veux ou pas, tu as déjà la guérison. Mais toi, tu dois vivre cette foi. Tu dois la vivre. Retrouvons ça dans la vie de cette femme. Il avait peur de ça. Elle avait peur de ça. Elle dit, c'est vrai, selon la loi de Moïse, ça fait 12 ans, je n'ai pas accès au temps, parce que je ne veux pas prier. Je suis impur, selon la loi de Moïse. Mais je sais que c'est Jésus au-dessus de la loi. Amen. Amen. Et tout ce que je veux, c'est de toucher ce vêtement, parce que je suis convaincu que si j'ai touché ce vêtement, je vais guérir. Et elle a fait la foi. Elle a vécu sa foi. C'est pas Jésus qui l'a trouvé dans une situation. C'est elle, sa foi. C'est ta foi qui va te délivrer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et c'est des mondes. Pour dire des gens, tu es déjà guéri au nom de Jésus. Amen. C'est par tes maîtres aussi que nous sommes guéris. Toutes ces plaies-là, c'est pour que tu sois plus malade. Le cancer est vaincu à la croix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'insuffisance rénale a été vaincue à la croix au nom de Jésus. Amen. J'ai connu des personnes dans mon ministère, plus de 10 personnes comme ça, qui avaient l'insuffisance rénale qui dialysait. Et on refusait d'aller faire des dialyses. Parce qu'ils étaient convaincus que Dieu allait guérir la personne. Et tremblait. Parce qu'ils avaient un rendez-vous, ils ont deux fois de dialyse par semaine. J'ai dit à la dame, Dieu me dit qui t'a guéri. Parce qu'après l'insuffisance rénale, il faut un miracle. Ou on change, on enlève le rein, on grève un autre rein, c'est fini. Ou le miracle. Or le miracle ne vient que de Dieu. Le miracle, il est surnaturel. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire le miracle. Les médecins même le savent. Amen. Alléluia. Qui connaît le logo de la médecine? Les médecins, leur logo, l'insigne, c'est quoi? Le serpent. Et la croix. Très bien. C'est ainsi très, très, très puissant. C'est le symbole de Jésus-Christ dans la médecine. De la même manière que le serpent brûlant mordait les gens dans le désert, il fallait faire une représentation avec un serpent d'airain. Mais ça, c'est une pêche. Quand les gens regardaient ce serpent, ils étaient guéris. C'est comme ça. C'était l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que les gens, leur logo, leur symbole, pour dire tout ce qu'ils font, se tourne autour de Christ.
Le serpent, c'est le diable. Et la croix, c'est la souffrance. Le diable a été crucifié à la croix. Amen. Or, la seule chose qui intéresse. Donc tu dis, oh oui, j'ai Jésus. On dit, mais comment t'as Jésus? Je ne réponds pas ce que Dieu veut, faire ce qu'il veut eux-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Christ. Si tu vis pour Christ, Dieu, Jésus-Christ, sera obligé, dans l'obligation, de prendre tes problèmes et de les résoudre. Amen. Amen. C'est ça le problème des gens. Il ne dépend pas de Christ. Il ne vit pas la vie de Christ. Et dans les difficultés, il pense que c'est Dieu qui doit se dépêcher. Or, il dit, j'honore celui qui m'honore. Lui, il a déjà payé le prix. Notre part, c'est de l'accepter et de vivre selon sa parole. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vécu selon la parole de Dieu. Comme David pourrait le dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais pu juste mendier. En vérité, quand vous marchez selon la parole de Dieu, il vous bénit. S'il y en a des difficultés, c'est vrai qu'on a des difficultés, c'est tout à fait normal, mais Jésus dit, en est la solution. Si le diable arrive à toi, à t'avoir, c'est que toi-même, tu as un problème. Il y a quelque chose que tu fais, peut-être qui ne glorifie pas le nom de Dieu, dans ta vie. Parce que la Bible dit que Dieu campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Vous voulez qu'on vous délivre, ok, gloire à Dieu. Ça sera fait. Mais après la délivrance, j'ai une vie. Il faut savoir conserver sa délivrance. C'est de marcher selon la parole de Dieu. Sinon, ils reviendront. Et ils sont là pour ça. Il y a des gens, chaque jour, ils sont attaqués, les démons, les attaquent. Mais si tu vas chez lui, il va te frapper. Tu n'es pas chez Dieu, tu n'es pas chez lui, il va te frapper. Jésus a dit, décidez que vous allez servir moi et ma maison, nous servirons les prêtres. Toi, tu sais qui? Tu sais qui? Et puis les démons, ils n'ont pris sur toi. Comment tu peux servir Dieu? Les démons peuvent avoir une emprise sur toi. Et puis Dieu n'est pas inquiété. C'est qu'il ne te reconnaît pas comme enfant. Amen. Il a dit parmi vous, est-ce que vous avez une fois vu un père qui donne un scorpion à son fils sur le démon du poisson? Non, la question c'est non. Si nous savons faire les bonnes choses, à plus forte raison, lui Dieu. C'est pour dire en réalité, le jour où tu ne feras plus la volonté de Dieu, Dieu quitte ta vie. La production, la protection de Dieu est conditionnelle. C'est de mettre sa parole en pratique. Là, les sorciers sont venus aujourd'hui, là, ils m'ont brutalisé. Comment un sorcier va rentrer dans ta maison, te brutaliser? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as dû faire? Parce qu'après la délivrance, il faut que vous mettiez la parole de Dieu en pratique. Et ça, maintenant, il faut que la parole de Dieu soit mise en pratique. Vous la mettez pas en pratique, parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable. Amen. Amen. Et il y a des gens qui viennent délivrer et puis ils n'ont plus d'efforts à faire. Dieu, ils sont assis pour que Dieu les protège. Ils vivent la vie qu'ils ont envie de vivre. Dieu doit les protéger. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand il t'appelle, c'est de marcher selon lui. Dieu te sauve pour le servir. Ah non, il t'a sauvé là. C'est pour le servir. Si tu n'es pas prêt à le servir, lui te lâche. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. C'est ça qu'il dit dans Deutéronome, au peuple d'Israël, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, voici ce que je répondrai, si voici les bénédictions. Mais si vous n'êtes pas capable d'obéir à la parole de Dieu, vous ne verrez jamais la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Attends, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui bénit, elle le fait sourire d'aucun chacun. Pourquoi ne pas chercher à faire l'effort? Et les gens ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Parce qu'ils voient que c'est difficile. Mais rien n'est passé si c'était. Au contraire, en obéissant à la voix de Dieu, mais c'est difficile, mais il y a la bénédiction. Le diable est juste pour un temps. Amen. Amen. Tu as quelqu'un, Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir. La seule chose que Dieu demande ce soir, c'est pas que tu lui donnes ton cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Amen. L'accès. Le diable a eu accès à votre vie.
le diable a commencé à contrôler les vies parce que, à un moment donné de votre vie, vous étiez éloigné de Dieu. C'est tout. Frère, il faut maintenant vivre sa vie chrétienne. Vis-la. Vive ta vie chrétienne. Si tu la vis, tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est vrai, dans un premier temps, tu peux être, n'est-ce pas, sous le contrôle d'un esprit. On peut venir t'aider. Ça, c'est clair. Mais après la délivrance, il faille que toi-même, tu marches selon la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, les démons seront toujours prêts là et vont t'attaquer. Et je le rôle. Les démons sont là. Et d'autres disent, ah, je suis trop attaqué. Mais attendez, qui n'est pas attaqué? Même nous sommes attaqués. Il n'y a pas quelqu'un. Si tu n'es pas attaqué, c'est que tu as parti à ça. Un véritable enfant de Dieu l'a attaqué. Satan lui va te voir, tu vas être béni sans attaque. Mon œil. Où jouait le diable? Amen. Il attaque tout le monde. Lui fait son travail c'est attaquer. Maintenant il arrive à te vaincre parce que tu n'as pas le grand Dieu dans ta vie. Lui il attaque. Il joue son rôle. Il attaque. Et maintenant il n'est pas inquiété parce que tu n'as pas Dieu dans sa vie. C'est ça que David dit. Avec Dieu, nous ferons les exploits. 60, verset, 60, verset 14. Et lui, il écrasera nos ennemis. Qui est avec toi? Le sacrifice est déjà fait. Jésus-Christ est mort à la croix. Tout est accompli. Mais pourquoi pour toi, ce n'est pas accompli? Pourquoi? Il faut que tu aies Dieu dans ta vie. Amen. Les années passent de la même personne. Alors, quand on a Jésus-Christ, des choses doivent changer. Amen. Je vais vous choquer. On est condamné à la réussite. C'est-à-dire, quand tu as Jésus, tu es condamné à réussir. Vous avez celui qui a le succès. Vous avez celui qui a la bénédiction. Il vous ouvrira les portes, celui qui ouvre les portes. Pourquoi pour toi c'est fermé? Pourquoi? Non, les sorciers, le vieux du village, Zadi est sur moi. Zadi depuis. Bon, Zadi et Jésus, qui est fort? On les met dans la chambre, on dit paix. On va parler paix, il va fuir. On sait déjà qui va gagner. Pourquoi toi toujours tu perds le combat? Ce soir on va vous aider, on priera pour vous. Ok? On priera pour vous. Mais ce que vous avez dans la parole, dans la main qu'on appelle la Bible, ne la négligez pas. Il y a des gens même qui ont des difficultés pour lire la parole de Dieu. Mais les films de 19h sont prêts. Matin bonheur, soir de bonheur, jusqu'à minuit. Le jour touche la Bible, Seigneur, vous devez prier, vous m'avez dormi. C'est comme si prier était somnifère. Non, il peut rien devant la télévision, jusqu'à minuit, 2h. Mais le jour commence à prier ses mains. Seigneur, tu es. Mais. Veilleux. Tout ce qui est de Dieu, là, c'est comme somnifère. Elle dit, toi-même, tu es vaincu. Toi-même, tu vois pas que tu es vaincu. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas prier. Mais les choses du monde, les choses qui n'ont pas de sens, ça t'intéresse. C'est là que toi-même, tu es plus en éveil. Mais les choses de Dieu, ça veut dire, il n'y a pas de présence de Dieu en toi. Parce que quand la présence de Dieu en toi, tu es attiré vers les choses de Dieu. Amen. Amen. Mais quand les choses de Dieu ne sont pas en toi, c'est que c'est le diable. Que vous voulez ou pas, ce que ça vous choque ou pas, si Dieu n'est pas là, c'est le diable qui est là. C'est comme ça. Parce que tu n'as pas de vie. C'est ce que vous ne savez pas. Il n'y a pas de vie. Ou c'est le Dieu, c'est Jésus, ou c'est Satan. Souvent ça choque les gens. Non, hein? Moi c'est pas Satan, hein? Mais c'est lui. Si Dieu est en toi, tu vas suivre les choses de Dieu. Pourquoi toi ça ne t'intéresse pas? Ça veut dire que ce qui est en toi, ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, là, ça va t'attirer. Si Dieu est vraiment en toi, parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il te conduit vers les choses de Dieu. Vous paraissez quand il y a la prière, même pour lire la parole de Dieu, il y a un souci pour ça. Mais c'est pour ça que le diable a de toute raison de régner sur toi. Parce que toi, tu ne donnes pas d'importance à Dieu. Oh, il dit, j'honore celui qui m'honore. Dieu peut te prendre de la boue.
d'un village pour te mettre au sommet. Amen. Pourquoi ne pas composer avec nous? C'est ça le problème. Pourquoi ne pas marier? Quand veut nous pas celui qui bénit, pourquoi ne pas composer avec lui? Amen. Amen. On est le diable, le diable, le diable, le diable. Oui, il est diable. Mais Jésus est plus fort que lui. Tout est accompli à la croix. Jésus a vaincu le diable, c'est fini. Il nous a délégué son pouvoir. C'est lui. Aucun sorcier, mes frères. Je leur ai déjà dit, je suis à Digo. J'ai participé à l'émission télé. J'ai besoin d'un sorcier qui va dire le prophète Krasu, il parle trop. Moi, je suis sorcier. Je vais l'affronter et puis on va voir où ce jour-là tu vas rendre témoignage. Et ça, j'ai fait l'appel encore. Parce qu'il n'y a rien dans la sorcellerie. Quand Christ est dans ta vie, il te donne cette force pour régner sur le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne peut pas foudroyer un véritable enfant de Dieu. C'est pas possible. Pourquoi le diable arrive à ta voix pendant que tu penses que tu as Dieu dans ta vie? Il faut remettre beaucoup de choses. Il faut toi-même te remettre en cause. Vous dites qu'il y a quelque part, j'ai un vide. C'est parce que le diable t'a attaqué que tu es ici. Sorcier. Tu as des gens, c'est le buveur de belet. Beaucoup de belettiseurs. Mais ce sorcier. Attends, t'attendu, tu montes et t'en programmé. Où est Divo? C'est là que tu connais Divo. C'est là que tu sais qu'il y a Divo. Quand on finit de prier pour toi, tu dis ça va. Mais le diable est là. Attachons-nous au Seigneur, il fera des grandes choses dans votre vie. Amen. Nous allons nous tenir debout. Levez les mains simplement. Et nous allons inviter Dieu dans notre vie. Tu vas inviter Dieu dans ta vie. Lève ta main. Tu vas inviter Dieu dans ta vie. Et tu vas lui dire ce soir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connaître et j'ai besoin de t'expérimenter. Je sais que peut-être tu n'es pas encore dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te recevoir dans ma vie. Prions ensemble, Seigneur. Nous prions, nous prions, nous prions. Confie ta vie à Dieu. Confie ta vie à Dieu. Il faut confier ta vie au Seigneur. Demande au Seigneur de te bénir ce soir. Oui, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur toi. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Alléluia, merci Jésus. Nous prions que ta puissance se manifeste. Nous prions que ta gloire éclaire ce soir. Nous te prions d'agir fortement dans notre vie. Merci d'intervenir et merci de te manifester. Nous comptons sur toi. Jésus, merci d'agir pleinement. Oh, merci. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Pardon tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Vous asseoir que vous bénisse.